Coucou à tous, donc c'est Lucie et me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette. J'ai remarqué que vous affectionnez particulièrement ce genre de vidéo. J'adore les tourner, j'adore manger. Voilà, je vous montre ce que je cuisine et ce que je mange durant cette journée. Je vous laisse regarder la suite de cette vidéo. Donc me revoici avec la voix off. Donc pour mon petit déjeuner, j'ai pris 3 cuillères de crème fraîche. J'ai rajouté un petit peu de sucre. Ensuite je mélange un petit peu le tout. Et avec ceci, j'ai pris une banane que j'ai coupée en morceaux. J'essaye de faire une jolie présentation, mais bon, c'est pas trop réussi. Je rajoute des graines de chia, 2 parts de cake, donc voici mon petit déjeuner. J'ai essayé de faire une jolie petite présentation. Donc j'ai un bol avec de la crème fraîche, banane et graines de chia, un petit thé et 2 tranches de cake. Donc là on se retrouve pour mon poulet yassa. Donc là on ne le voit pas, mais je fais tremper mon poulet dans de l'eau chaude avec du vinaigre de cidre. Et ensuite je retire toutes les parties un peu grasse et les parties à retirer. Je nettoie bien mon poulet. Une fois mon poulet nettoyé, je fais des entailles afin de laisser bien pénétrer l'assaisonnement. Ensuite, je prends un oignon pour l'assaisonnement. Le reste des oignons, je les couperai tout à l'heure. Donc, je rajoute cet oignon avec le poulet. Ensuite, je mets quelques épices, puis la moutarde. Après avoir ajouté le tout, je mélange à la main. Donc voilà, on arrive à l'étape des oignons. Pour ma part, j'en ai pris 7, il me semble. Après, ça dépend de vous, de la taille de vos oignons et tout. Mais oui, pour ma part, 7. Une fois mes oignons découpés, je commence à préparer mon riz, donc je le lave et ensuite je mets toujours un peu de sel et de l'huile. Maintenant je vais assaisonner mes oignons, donc je vais mettre un cube. Ensuite je vais mettre du sel, du poivre et je vais rajouter de la moutarde. Donc ensuite je prends mes oignons que je fais revenir dans de l'huile chaude. Je les laisse revenir jusqu'à ce qu'ils deviennent un petit peu translucides.
Pendant que mes oignons sont en train de cuire, je m'occupe du poulet. Donc je vais tout simplement les faire frire. Voici le résultat de mon poulet frit. Je vais tout simplement rajouter le poulet dans les oignons, rajouter un petit peu d'eau et laisser mijoter pendant environ 30 minutes. J'ai aussi rajouté des petites olives vertes. Voici le résultat, je me suis vraiment régalée. Bon appétit à vous. Donc pour mon goûter, j'ai décidé de me faire un petit gâteau. Donc c'est un gâteau au chocolat, chocolat banane, et c'était vraiment délicieux. Donc je commence par la farine. Donc je vais commencer par mélanger tous les éléments secs. Donc la farine, la levure, le sucre, tout ce qui est cannelle, muscade, etc. Ensuite, je prends une tablette de chocolat que je vais couper en morceaux, histoire d'avoir des petites pépites, des petits morceaux de chocolat dans mon gâteau. Ensuite, j'incorpore le tout, beurre, banane, pépites de chocolat, et je mélange. Voici le résultat de mon gâteau, il est super beau et il était vraiment bon. Ensuite, j'ai décidé de réaliser des feuilletés au thon. Habituellement, je les réalise au saumon, mais je n'avais plus de saumon. Donc j'ai fait des feuilletés au thon. J'ai tout simplement pris des champignons, du thon, j'ai rajouté un petit peu de pesto, du fromage et de la crème fraîche.
Ensuite, je prends ma pâte feuilletée que je coupe en morceaux plutôt arrondis. Je vais rajouter ma farce à l'intérieur et je referme. Je mets le tout au four sur du papier sulfurisé. Avec le reste de la farce, je vais faire une salade. Donc je me coupe un oignon, je prends du maïs, je mélange le tout, je vais rajouter des petites olives, un concombre et de la laitue. Voici le résultat. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Ça m'a fait plaisir de la tourner. Vraiment, j'ai kiffé. J'ai bien mangé aussi au passage. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Ça me ferait vraiment plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Naya, Naya,